part of the tree. It's why I'm here. That, at least, I'm sure is my own desire. Take possession of this source of infinite power, but also misfortune. It's time to move to the first phase of the plan. Drop your weapon. And it starts now. Donc je travaillais directement au sein de l'équipe de développement à Cyanide, avec les intervenants audio de la Game Audio Factory, ainsi que le studio d'Angoulême, dans lequel on a enregistré pas mal de follets, et le studio d'Evry, avec HP, pour la musique. Donc pour Styx, le compositeur HP avait décidé de se focaliser sur un quartet à cordes pour faire écho à la musique de Of Orcs and Men. Nickel, ça. On a d'abord commencé par le thème principal. L'idée, c'était de retrouver des marques de Of Orcs and Men sans forcément refaire la même chose. On allait chercher dans d'autres registres, donc des jeux d'infiltration qui ont des gameplays plus modernes et des bandes-son plus modernes, comme Deus Ex Human Revolution ou Hitman Absolution. Pour aller dans cet univers-là, et aussi parce que je suis bassiste, j'ai enregistré donc de la basse électrique en plus, et des percussions traditionnelles et électroniques. Et du coup, en fait, on part complètement de l'univers de base, mais grâce au quatuor, on a le lien avec l'ancienne version. Discuté avec Jerry, qui est le sound designer qui s'occupe du projet en fait, et pour moi c'est une chance d'avoir cette personne-là qui est en direct avec les équipes et qui connaît bien le jeu. Donc on a bien discuté comment on allait structurer le jeu avant d'enregistrer, avant de composer, tout ça pour vraiment avoir quelque chose de cohérent. Et ensuite on a attaqué donc la musique dynamique avec HP. C'est là où on a eu le plus d'échanges parce que le résultat en jeu est très important. Cette musique dynamique, elle a été assez difficile à mettre en place parce que l'intelligence artificielle a énormément d'états dans lesquels ils peuvent se retrouver. Donc il fallait faire le tri dans ces états pour savoir à quel moment la musique va changer par rapport aux actions du personnage. Dit musique interactive, donc qui dit écriture découpée. L'idée c'était d'avoir trois angles d'attaque pour faire cette musique interactive, de jouer sur la géographie, donc dans quel lieu se situe le personnage, de jouer aussi sur les différents états de tension dans lesquels le personnage se trouve, et faire ressentir l'évolution du scénario dans la musique. L'histoire, en fait, on a des twists, on a des, comme dans toutes bonnes histoires, et donc on voulait avoir des musiques aussi spécifiques en fait pour chaque étape en fait du jeu, quoi. Qu'on sente aussi l'évolution en fait de notre gobelin et aussi en fonction du scénario, quoi. Plus on évolue dans les profondeurs d'Arknash, plus la musique devient sombre. Parce qu'il y a plusieurs étages en fait, on a le haut de la tour en fait qui symbolise l'utopie, qui est assez lumineux, et les profondeurs qui vont être de plus en plus sombres. Le son permet pas mal d'aider le joueur à s'infiltrer. Il y a notamment le thème de la musique qui évolue un petit peu quand on se fait repérer. Il y a une musique après effectivement de combat quand tu es en affrontement et que tu peux plus t'échapper. Tu es obligé de te débarrasser de l'ennemi pour pouvoir fuir à nouveau.
En fait, on a découpé en gros 4 ou 5 états qui vont s'enchaîner. Donc sur une même composition, on aura 5 parties différentes avec différentes couches et qui vont être déclenchées dans différents effets. L'idée, c'est que ça soit approprié, non répétitif et efficace. Techniquement, moi, ça m'a demandé de respecter certaines règles harmoniques, respecter toujours des mêmes découpes de tempo, respecter une certaine tonalité. Donc j'ai utilisé pas mal de contre-champs et aussi des effets de spécialisation stéréo pour renforcer cette folie, cette schizophrénie du personnage principal. En termes de compo, moi je sais que je travaille pas mal avec l'image en fond, où je me fais une petite vidéo de gameplay et puis je compose en fait juste pour cet état-là, pour être juste en fait en termes d'univers. Moi aussi j'en ai un quart. Vas-y, encore une fois. On fait un 13. Mais on fait la mesure. On a eu la chance de pouvoir enregistrer le Symphonia Pop Orchestra. J'ai donc assisté le compositeur lors de ses enregistrements de Quatuor dans notre studio à Ivry. Alors pourquoi travailler avec le Symphonia Pop Orchestra? En fait, je les ai rencontrés lors d'un concert de Sakimoto qui était organisé par Wayo Records en octobre 2013, je crois. Et en fait, j'avais vraiment été touché par la sensibilité de ces musiciens. Je leur ai demandé de voir s'ils étaient disponibles. Et comme ce sont des personnes très enjouées et très motivées par ce genre de projet, ils ont dit oui, et on a trouvé un arrangement. Et voilà, ça s'est fait. Et ils ont assuré grave parce que la session d'enregistrement était assez courte et on a vraiment réussi à enregistrer des morceaux de qualité.